Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans Total Chan 2, une émission produite par Nouscom depuis Casablanca, l'émission qui parle essentiellement du championnat d'Afrique des Nations dans sa 5e édition. Nous allons parler dans un court instant de la désillusion du civil local. L'équipe de Kampour et de la Pé Bangoura voulait faire une entrée en matière réussie dans cette compétition. Malheureusement, c'est le Soudan qui s'impose 2-1. Les réactions d'après Maké dans un court instant et le résumé de la rencontre avec Alpha Madi Touré. Nous allons encore parler de la déception de la Côte d'Ivoire, cette équipe qui a fini 3e lors de la dernière édition. C'était au Rwanda en 2016. L'équipe a été battue par la Namibie qui jouait ce dimanche son premier match dans une phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Installez-vous confortablement, c'est Total Chan. Merci donc de nous rejoindre une nouvelle fois. Guinée-Soudan, c'est le deuxième match du groupe A dans cette 5e édition du championnat d'Afrique des Nations. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Hervé Penaud, notre confrère français du journal L'Équipe. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et comme vous avez vu, il y a un tel soleil en ce moment au Maroc. J'ai mis des lunettes de soleil. Oh, il fait un temps incroyable. 40, 45 degrés. Il n'arrête pas de pleuvoir, j'en peux plus. C'est terrible. Mais une chose quand même qu'on doit vous dire. Dima Africa, ce qui veut dire toujours l'Afrique, et c'est le slogan de ce CHAN 2018. Le championnat d'Afrique des Nations, je le rappelle, organisé donc par le Maroc. À l'époque, c'était le Kenya qui était prévu, mais il y a eu des problèmes. Donc, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a changé ses plans. Et le Maroc, en match d'ouverture, s'est imposé largement 4-0 devant la Mauritanie. La Guinée et le Soudan, qui composent aussi ce groupe du pays hôte, étaient en compétition ce dimanche. La Guinée a été surpris donc par le Soudan. 2-1, score final. Ça n'a pas du tout été facile. On retrouve Alpha Madi Touré à la sortie du stade pour les moments forts de cette rencontre. Vous allez le comprendre avec lui. C'est le Soudan qui a marqué avant que la Guinée ne revienne au score. Une défaite amère pour le Sili local de Guinée en cette entrée en matière donc au niveau du championnat d'Afrique des nations de football. On va commencer par cette première action. C'est en première période, donc à la 14e minute. C'est Kouamadou Camara qui se rapproche des buts, mais il voit son tir donc dévié aux abords de la surface de réparation adverse. Et à la 19e minute, il y a les Soudanais qui ont une certaine maîtrise de cette première période, qui essaye de mettre la pression et qui ouvre d'ailleurs le score à la 19e minute, donc sur un corner exécuté par El Samani. C'est Omer qui place sa tête donc au fond du filet, et le Sili est en train de subir. Le Sili continue à subir dans tous les sens. À la 40e minute de jeu, c'est une barre transversale qui sauve les cages gardées par Abdoulaye Kanté. Alors la première période va se terminer sur cette action à la 43e minute. Opportunité d'égalisation pour le Sili local de Guinée sur un centre donc de Siedouba Bissiri. C'est Kouamadou Camara. Amadou Camara, j'allais dire, donc du Afia, qui bute sur le montant droit d'Akram. C'est le gardien de but de cette formation soudanaise. En deuxième période, à la 54e minute, la Guinée entame bien donc, et c'est l'égalisation signée. C'est Kouamadou Camara qui reprend un centre de Daouda Bangoura Yorobo du satellite FC. À la 61e minute, il y a un pénalty qui est certes discutable, qu'obtient le Soudan, mais Saïf Eldine ne parvient pas à le transformer. À la 75e minute, Saïf Eldine se rattrape et parvient cette fois-ci à marquer un but sur une erreur défensive guinéenne, et il parvient bien à tromper Kanté. À la 92e minute, est-ce qu'il va y avoir égalisation? Non, il ne va pas y avoir, parce que c'est Kouamadou Camara bute sur Akram qui réalise une parade parfaite, ne permettant pas à cette équipe guinéenne de revenir au score, sur le score de 2-2. Finalement, on va se quitter sur un score de 1-2 en faveur de l'équipe soudanaise. On l'a suivi avec Alpha Madi, Guinée-Soudan 1-2, parce que la Guinée recevait sur papier une surprise dès le début de cette compétition. On peut dire la toute première, la Guinée était attendue dans ce premier match. Elle était attendue, puis elle a déçu. On ne peut pas dire le contraire. Alors moi, je pensais que le Soudan serait un adversaire compliqué pour l'équipe de Guinée, parce que le Soudan a des joueurs qui ont l'habitude de jouer dans trois clubs. En gros, il y a trois gros clubs soudanais et ils se connaissent bien. Donc il y a déjà cette habitude-là. Et puis en gros, c'est l'équipe A et l'équipe B.
Et autre chose, ce sont des clubs qui jouent dans les compétitions continentales à un bon niveau. Mais, je m'attendais évidemment plus de cette équipe de Guinée que j'ai trouvée très, très décevante. Parce que le score reflète parfaitement le match. Alors, les Guinéens auraient pu égaliser à la fin sur une action quand même. Là, c'était la logique aurait voulu qu'ils puissent égaliser sur cette action-là. Par une erreur de l'attaquant qui se retrouve seul devant le gardien, devant le but vide, et puis qui met du droit, il veut mettre le pied droit au lieu de mettre le pied gauche, et puis il met la balle juste à côté. Mais il n'empêche que sur le match lui-même, il n'y a rien à dire. Les Soudanais ont été meilleurs, ils ont raté un pénalty. Donc c'est une victoire méritée. Tout à fait méritée de la part des Soudanais. Et une déception de la part de la Guinée, car j'ai trouvé une Guinée qui était battée, qui a eu du mal à jouer collectivement, qui n'était pas dans le rythme, et défensivement très faible. Et puis offensivement, quand vous n'avez pas le dernier geste et l'efficacité sur ces derniers gestes ou de l'avant-dernier geste, ben vous êtes en difficulté. Nous allons parler dans un instant des choix de Kamfour et de la Pierre Bangoura dans cette émission avec la conférence de presse d'après-match. Mais on reste sur cette rencontre avec quelques supporters que nous avons suivis en tribune. Vous allez le constater, ce n'était pas du tout facile de suivre cette rencontre. Vous avez suivi le match aussi à Conakry, ce n'était pas facile. C'est comme ici à Casablanca, c'est une compilation de Mamadou Lamara Nassau. Encore avec ses supporters, nous avons rencontré l'un des gagnants du jeu Football Factory Radio et TV sur la page Facebook. Vous le savez, il y a quelques semaines, on avait organisé ce jeu avec les partenaires de l'émission GBM, Silvio Massimo et Guy Sport. Madiba Diané, qui est en Côte d'Ivoire, a gagné un billet d'avion pour voyager à Casablanca, histoire de suivre le Sili local. Mais c'est Aboubakar Bangoura qui a voyagé à sa place. Il a été interrogé par Ibrahim Khalil Sidibé, juste après le coup de sifflet final. Très heureux de suivre le Sili à Casablanca, mais dessus de la défaite. Je suis avec le gagnant du jeu concours organisé par Football Factory sur notre page. Il est au Maroc grâce à ce jeu. Aujourd'hui, monsieur, vous venez, vous découvrez le Maroc, vous découvrez le Chan sur une défaite du Sili. Ouais. Est-ce que quelque part, ce n'est pas vous qui apportez le malheur au Sili? Même pas. Et moi, je pense que je suis un porte-chance. Je pense que c'est... Et comment vous avez fait pour ne pas pouvoir nous transmettre la chance qui t'a permis d'être ici? Ah bon, et là, c'est vraiment pas de ma faute. Je pense que c'est ça dépend des joueurs. C'est pas de ma faute, parce que moi je suis venu avec... Parce que nous, d'habitude, quand on vient au Lochan, ouais, le Sili a toujours brillé. Mais cette fois-ci, on vient avec toi et le Sili perd. Non, ça n'a pas été toujours comme ça. Là, moi je pense que c'est pas moi qui porte malheur. C'est qui porte malheur alors? Je sais pas. C'est le classement qui a été fait et qui n'a pas été vraiment mis en point. Donc je me dis que c'est ça dépend de l'entraîneur. Ah, donc toi tu émènes, toi tu attaques directement la paix. C'est ça, le classement, ça dépend des classements. Mais est-ce que tu sais que la paix va regarder l'émission? C'est lui qui connaît. Quel message avez-vous pour l'endroit de M. Lapé? Ah, M. Lapé n'a qu'à revoir encore l'organisation, il n'a qu'à essayer de voir le classement. Sincèrement, je ne suis pas contre lui, mais j'aimerais bien qu'il revoie. Mais est-ce que tu es optimiste pour la suite de la compétition? Oui, je suis optimiste. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait tout de suite dans le stade, que le Guinéen, avant de connaître d'abord le bonheur, il doit d'abord souffrir. Parce que le Guinéen, d'abord, naît dans des conditions difficiles.
avant de se créer un chemin qui le mène au bonheur. Est-ce que c'est pas ce qui va se passer là qui va se passer? Non, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Merci beaucoup. Merci aussi. Oui. Victoire donc du Soudan, 2-1. Le Soudan qui imite le Maroc qui s'est imposé aussi lors de sa première sortie. 4-0 face à la Mauritanie. L'équipe de Kamfouri Lapé Bangoura a perdu. L'entraîneur du Sili local comme celui du Soudan. Ils se sont tous présentés devant les hommes de médias pour une conférence de presse d'après-match. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence de presse? On fait le point avec vous, Richard Nahar. À l'issue de la conférence de presse qui a vu la défaite de la Guinée, le coach Lapé Bangoura dit ne pas regretter ses choix. Jusque-là, je ne regrette pas mon choix parce que le latéral droit Sidi Bangoura m'a donné beaucoup de satisfaction. D'abord, pendant la qualification, il a été très actif aujourd'hui. Certes, il devait être doublé par Sidi Camara, mais malheureusement, il n'est pas à 100%. Il a quelques bobos, je dis ça pour faire des plaisirs. Mais je pense que le match d'aujourd'hui, il n'a pas été sombre. Moi, je pense qu'il a été bon. On a eu deux petits soucis au niveau de l'axe. Et puis voilà, nous avons pris deux buts. Et malgré la défaite du Sili, le coach Kamfouri Lapé Bangoura reste confiant pour la suite contre le Maroc. Nous sommes venus jouer au premier tour 3 matchs. Nous avons notre destin à main. Nous respecterons tous les adversaires. Et je crois qu'un match ne se ressemble pas à un autre. Si réellement, nous avons pu réaliser nos occasions aussi, ça pourrait être autre chose. Moi, je pense, c'est le pays organisateur, nous prendrons toutes nos dispositions pour venir jouer dans tous les cas notre destin. C'était là Richard Wanha. Dans cette conférence de presse Hervé, on l'a suivi. Kamfouri Lapé Bangoura, il dit qu'il assume ses choix, il ne les regrette pas du tout. On comprend le discours de Lapé Bangoura qui était là avec le Sili local au Rwanda. Oui, alors, le comprendre, bon, moi je peux le comprendre, parce qu'à un moment, il faut aussi montrer que vous avez confiance dans les joueurs que vous avez choisis, ça c'est normal, parce qu'à un moment, il va falloir rebondir. C'est-à-dire qu'il y a une défaite, mais tant il faut voir l'avenir. Et voir l'avenir, c'est tenter d'effacer ce passé-là, ce passé récent, plutôt que de commencer à charger les joueurs, et vous allez vous retrouver en grosse difficulté. Mais nous, en tant qu'observateurs, on ne voit pas les choses tout à fait de la même manière. Quand il explique qu'il est content du match sur le contenu du match, mais tout en expliquant que défensivement, ça n'a pas été bon, et qu'offensivement, ça n'a pas été bon, donc vous n'êtes pas content du match. Ou alors, il faut m'expliquer ce que ça veut dire être content d'un match. Un match, ce n'est pas simplement réussir 3 passes au milieu de terrain. Donc, évidemment, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de manques. Et j'espère que lui arrivera à analyser ces manques-là. Il a promis dans cette réaction, dans sa conférence de presse, un autre match face au Maroc. Ah ben là, il est obligé. Vous pensez qu'il pourra le faire devant une équipe marocaine qui a déroulé devant la Mauritanie? Ce qui est certain, c'est que la Guinée est au pied du mur. S'ils sont battus contre le Maroc, je pense que c'est la fin des espoirs de qualification parce que dans la foulée, je ne vois pas la Mauritanie ennuyer le Soudan. Mais tant sait-on jamais, hein, tout est possible, ça reste du football. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut réagir contre le Maroc. Mais le Maroc, qui semble être l'équipe la plus forte du groupe, qui a quand même, alors là pour le coup, l'habitude de jouer ensemble, l'habitude et du le terrain. Et le public aussi. Et le public, ouais. Parce qu'ils étaient très nombreux lors du premier match, 36 000 personnes. Donc ça paraît très compliqué. Il va falloir trouver des solutions, ça c'est une certitude. Moi, la peur que j'ai un peu dans cette équipe de Guinée, je ne vois pas tellement comment on peut trouver ce type de solution aussi vite, c'est comment fermer un petit peu l'axe notamment central et fermer pour pouvoir pas encaisser de but. Et vous vous retrouvez face à une équipe du Maroc qui est capable, elle, de marquer. On va suivre tout cela de très près. Sinon, dans le camp adverse, l'entraîneur du Soudan l'a expliqué, il s'attendait plutôt à un match nul. Vous croyez à ce discours? J'ai été surpris. Je veux dire, quand il a dit un match nul aurait peut-être été normal, j'ai été un petit peu surpris. Enfin, lui, vous savez, comme il est dans la position du gagnant, donc il ne veut pas trop se poser de questions. Peut-être a-t-il voulu être gentil aussi avec Lapé Bangoura et avec la Guinée, et se dire, bon, n'insultons pas l'avenir, on ne sait jamais ce qui va se passer après. Donc voilà, c'est un mot sympa, mais il faut quand même dire la vérité. À partir du moment où vous ratez un pénalty, je le disais précédemment, que vous frappez le poteau et que vous avez 2-3 occasions nettes encore de marquer, non, le résultat est tout à fait logique. Alors, mesdames, messieurs, on fait le récapitulatif de ces différents résultats enregistrés au compte de ce groupe A. Déjà, 7 buts ont été marqués lors de la première sortie. C'est le Maroc qui s'impose 4-0 devant la Mauritanie. Et la Guinée s'est inclinée à la surprise générale face au Soudan, 2-1. Et au classement, le Maroc est en tête avec 3 points, suivi du Soudan. La Guinée et la Mauritanie n'ont pas de points pour le moment. La défaite est interdite pour ces deux équipes. Une nouvelle défaite pour la suite de la compétition. Il y a un match nul. Il pourrait encore s'en sortir avec un match nul, sait-on jamais. Mais aujourd'hui, il ne faut pas penser à un match nul. Là c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut gagner. Surtout que le problème de la Guinée, c'est qu'elle va jouer avant contre le Maroc.
en premier match de la journée. Ça veut dire que le Soudan sera exactement le résultat du match précédent. Donc c'est quand même ça peut être un petit avantage. Donc non, aujourd'hui, il faut penser à gagner. Maintenant, au minimum le match nul, minimum, ce qui permettrait de garder un petit peu de suspense pour la troisième journée. Voilà. On peut dire ça comme ça, mais la défaite est en tout cas interdite. Vous parlez de troisième journée, c'est le moment de donner, disons, les affiches dans ce groupe A. Les prochains matchs sont prévus le 17 janvier prochain. Le Maroc sera face à la Guinée à 16h30 au stade Mohamed V de Casablanca. Et le Soudan va affronter la Mauritanie à 19h30 sur cette même pelouse du stade Mohamed V de Casablanca. Place au groupe B avec la Côte d'Ivoire, le Namibie, la Zambie et l'Ouganda. Et les résultats à enregistrer sont les suivants, mesdames, messieurs. Vous les voyez à l'instant, même sur votre petit écran. C'est la Namibie qui a battu la formation, qui a fini troisième de la dernière édition. Un but à zéro, un but marqué à la 90e minute par Charles Ambira. Et l'Ouganda opposé à la Zambie. Et bien là, les Chipolo Polo, 3-1, score final. Quatre buts déjà dans ce groupe au compte de cette première partie des matchs de poule. Oui, là déjà, on voit une grosse déception de la part de la Côte d'Ivoire, hein, parce qu'on attendait les Ivoiriens comme l'un des grands favoris de cette compétition, et on n'a rien vu. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de Côte d'Ivoire très décevante. Alors, on continue, j'allais dire, hein, c'est l'hiver sombre de cette équipe ivoirienne. Hein, on a vu l'élimination pour la phase finale de la Coupe du Monde contre le Maroc. Aujourd'hui, l'équipe a prime, hein, l'équipe du Chan, on pensait qu'il y aurait la possibilité de refaire un coup comme au Rwanda il y a 2 ans. Et puis finalement, grosse déception, avec un Fonsigno qui était complètement absent. On l'attendait, le frère de Gervinho, à qui lui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau. Et malheureusement, les Ivoiriens ont encore chuté, alors que Camara, leur entraîneur, avait bien dit dès le début de la compétition, on est là pour gagner ce premier match parce qu'on veut aller très loin. Il n'y a pas d'autre, en quelque sorte, pas d'autre alternative que de remporter d'entrée ce match contre la Namibie. Et ça n'a pas marché au classement. C'est la Zambie qui occupe donc la tête de ce groupe B. Et pendant ce temps, voici pour vous le calendrier des prochains matchs. Au compte de ce même groupe, la Côte d'Ivoire sera opposée à la Zambie à 16h30 pour sa deuxième sortie. Et l'Ouganda va jouer à 19h30 contre la Namibie. Et ce lundi, c'est le groupe C qui entre en compétition basé à Tanger. La Libye va jouer contre la Guinée équatoriale. Et pendant ce temps, le Nigeria sera opposé au Rwanda. Mesdames, messieurs, à 19h30, temps universel. Voici comment nous allons nous quitter compte de ce nouveau numéro de Total Cham depuis Casablanca. Merci Hervé. C'est un plaisir. À bientôt les amis. On va vous retrouver très bientôt. Ouais, j'espère bien. Voilà, merci. Je vais mes lunettes. À bientôt. Il fait chaud. C'est le côté fou rire de cette émission. Mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Il y avait Alama et Lamara Nassou à la caméra et au montage. Restez avec nous, les programmes se poursuivent sur votre chaîne de télé.